Je vais commencer donc par vous, Sandrine D'Acosta. Vous êtes brigadier-chef en poste depuis 2006 à la brigade locale de protection de la famille de la Sûreté urbaine de Melun, après une expérience de 10 ans à la BAC de Seine-et-Marne. Voilà, nous avons eu le plaisir de déjeuner ensemble tout à l'heure. Donc vous pouvez, alors soit vous parlez d'ici, soit du podium, ici, très bien, allez-y. Et nous vous écoutons. Merci d'être avec nous. Je rappelle le thème de la table ronde, vous l'avez sans doute sur vos papiers, mais je la redonne quand même pour bien... Disparition, le travail de recherche, quelles sont les actions mises en œuvre pour retrouver les mineurs disparus? Voilà, on est vraiment au cœur du sujet. Tout à fait. Bah, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Voilà, effectivement, je suis donc officier de police judiciaire à la brigade locale de protection de la famille de Melun depuis environ une dizaine d'années. Notre service gère en fait différentes procédures, notamment les violences sexuelles, ainsi que les violences conjugales et sur les mineurs, le non-respect des jugements qui ont été rendus et également toutes les procédures initiées pour les fugues et disparitions inquiétantes pour les mineurs. Donc je suis ravie d'être là, Madame Larcher m'a conviée gentiment et je suis ravie de partager l'expérience avec vous, avec l'échange depuis ce matin. On a déjà dit beaucoup de choses en fait depuis ce matin sur les attentes des familles, que ce soit pour des déclarations en fugue ou disparitions inquiétantes, avec l'accueil important des fonctionnaires déjà enquêteurs qui doivent recevoir les déclarants. Et nous sommes le premier filtre enquêteur des éléments probants pour, on va dire, initier une procédure inquiétante pour les mineurs. Par rapport à cela, donc l'accueil et l'écoute pour les déclarants, que ce soit des proches, des disparus ou pourquoi pas éducateurs, si les enfants sont placés, excusez-moi, en structure, il nous faut avoir un temps d'écoute, tout au moins poser avec eux et échanger sur les circonstances de la disparition ou de la fugue. Donc par rapport à ce qui peut se passer, en tout cas au sein du commissariat où j'exerce, dans un premier temps, les personnes se présentent déclarantes au niveau du chef de poste, qui là-dessus, au vu du motif pour lequel elles viennent, nous avise au niveau de notre service. Et nous recevons dans un premier entretien pour avoir le maximum d'éléments et effectivement savoir si nous sommes sur une disparition inquiétante ou des éléments donnés. Donc il est clair que si la procédure initiée concerne un enfant de 7 ans ou de 11 ans, il est clair qu'on ne se pose pas beaucoup la question et réellement on est très réactif assez rapidement. Donc par rapport à cela, on prend les premiers éléments qui peuvent nous permettre, même avant qu'on ait commencé l'audition du déclarant, de mettre en œuvre plusieurs choses d'entrée de jeu tout de suite. Donc, soit de faire différents avis, déjà, qui va nous permettre de gagner du temps. Tout d'abord, également, par rapport à d'éventuelles réquisitions téléphoniques. Si c'est un ado ou pré-ado, le premier entretien va servir pour lancer la procédure après avis au procureur de la République, ce qui nous permettra ainsi de gagner énormément de temps. On travaille sur réquisition avec un numéro de téléphone du portable, si l'enfant, le pré-ado, l'a avec lui, bien sûr. Et on peut d'entrée de jeu prendre le maximum de temps pour la réactivité. Ensuite, l'audition donnée avec l'enquêteur qui se veut être expérimenté quand même pour aller vraiment à l'essentiel et un maximum d'éléments continuant l'audition. Il faut que l'enquêteur, par rapport à ses disparitions et ses inquiétudes réellement palpables des déclarants, soit assez complète. Il faut qu'in fine, on ait l'impression de connaître l'enfant ou le préado en tout cas, et d'en connaître les habitudes de vie, une description, déjà bien sûr dans un premier temps, en fonction de l'âge, s'il devait aller l'après-midi pour la disparition, excusez-moi, s'il sortait d'un centre de sport, où on va pouvoir diligenter initialement des véhicules de police de suite, pour faire des enquêtes sur place, de faire des diffusions régionales également, et locales, qui va nous permettre d'aller au plus vite, toujours pour la réactivité. Et par rapport à cela, les éléments qui vont se porter dans l'audition, il va y avoir un enquêteur qui va en fait coordonner les différentes informations reçues. On a évoqué aussi tout à l'heure, lors de l'audition, parallèlement, on est plusieurs à travailler sur ce genre d'enquête. Il y a souvent
un enquêteur qui prend l'audition en compte et qui en réfère avec les éléments à d'autres enquêteurs qui vont pouvoir déléguer et faire d'autres actes. Donc ça peut être, comme je l'ai dit auparavant, différents avis ou contacts téléphoniques avec des amis, des proches. Si les parents sont séparés, de voir avec l'autre parent si l'enfant ne s'est pas trouvé. Si le préado ou l'enfant a une carte Navigo ou a pu prendre des transports en commun. On essaye vraiment d'être très réactif tout de suite. Après, on a pu voir jusqu'à maintenant qu'il y a une grande part d'humain, en fait. On gère de l'humain entre les personnes qui viennent déclarer une situation qui leur paraît très, très inquiétante, ou en tout cas, qui les questionne sur un éventuel départ, et où il y a aussi les fonctionnaires qui font un premier tri, entre guillemets, d'éléments probants pour lancer ou pas cette procédure. Donc on est d'humain à humain, et ce n'est pas forcément facile non plus parfois à gérer. Donc je comprends tout à fait les témoignages de monsieur et madame Tronche auparavant et de madame aussi, parce que c'est très compliqué. On est le premier maillon. En général, comme disait tout à l'heure le collègue, on fait en sorte d'exercer des procédures inquiétantes assez régulièrement quand même, avec des premières acquisitions lancées. Et dans la majorité des cas, nous avons l'enfant ou le préado, on l'a le soir ou le lendemain, mais en tout cas, on sait où il est. Donc ça rassure tout le monde. Et ensuite, par rapport à des circonstances particulières d'enfants relativement jeunes qui ne réintègrent pas le domicile ou alors qui a disparu, parallèlement à des auditions réalisées dans le cadre au sein du commissariat, on envoie aussi des véhicules sur place, soit au domicile de là où l'enfant pourrait se trouver ou du lieu présumé de la disparition. Par rapport à ça, on va tenter de récupérer le maximum d'informations, d'éléments d'enquête qui nous permettent d'avoir des indices ou des traces de l'enfant. Donc, a été évoqué tout à l'heure aussi d'être assisté avec des chiens pisteurs. Encore faut-il qu'il y en ait dans le département, disponible. Ça peut arriver aussi. En général, on met tout en œuvre, nous aussi, comme disait monsieur, en dehors de la conscience qu'on doit avoir dans ce cadre de procédure. On est tous parents, ou en tout cas, voilà, ce sont vraiment des situations qui nous marquent quand même. Donc, en général, je pense que l'ensemble des fonctionnaires font au mieux, mais on est aussi confrontés à des problèmes, aussi. On peut ensuite également faire des constatations au domicile, donc du disparu, de l'enfant ou du préado, pour trouver dans un premier temps des éléments d'actes préparatoires, notamment peut-être des écrits, ou de récupérer, pourquoi pas, l'ordinateur portable, et de pouvoir faire exploiter par les services compétents. Ensuite, de retrouver des courriers. Ça peut aussi exister. S'assurer avec quoi l'enfant ou le préado serait parti. En emmenant des tenues vestimentaires, en prenant un chargeur de téléphone, en emmenant le téléphone portable également. Donc en général, ce genre d'éléments, même s'il y a un transport d'effectifs au sein du domicile, en général, les parents ont déjà fait les premières recherches. Comme ça, dans l'audition, déjà nous, on va vérifier avec eux ensuite. Mais en général, d'eux-mêmes, ils ont déjà fait les premières vérifications. Et ensuite, par rapport à ce lieu présumé de disparition, il y a aussi l'intervention qui va se faire pour faire ce qu'on appelle l'enquête de voisinage, qu'on va élargir en fonction du périmètre donné, avec des chiens pisteurs là aussi, qui va nous permettre donc de récupérer un maximum d'éléments sur le jour de disparition et pourquoi pas sur les jours précédents, si des personnes habitant dans le secteur, si c'est urbain, s'il y a eu des passages de véhicules ou des comportements particuliers de personnes. Si les personnes n'ont pas été contactées, de pouvoir relever des identités pour les contacter plus tard. Et pourquoi pas de prendre également contact avec des personnes qui régulièrement fréquentent ce genre de périmètre, qui peuvent être des facteurs ou des livreurs réguliers. Pourquoi pas le boulanger qui peut passer. Et peut-être que ces personnes-là pourraient nous aiguiller avec des témoignages nous permettant d'avancer dans la enquête. Et également, ce qu'on peut également mettre en place, ce sont l'abattu, où c'est très lourd comme opération, il faut énormément de fonctionnaires mobilisés. En général, on travaille police, gendarmerie de concert, ça nous permet de mettre tous les moyens en place pour retrouver l'enfant. Plus le temps passe, et plus les traces peuvent disparaître, et ça c'est très important pour nous. Donc voilà, moi j'ai eu l'occasion une fois de travailler sur un cadre de disparition inquiétante concernant une saisine de nos services, non pas par un déclarant mais par le parquet de Melun. C'est une situation d'une jeune fille de 16 ans qui avait accouché d'une petite fille depuis 2 mois à peu près, donc encore en maternité puisque la petite était en prématurée.
Et le parquet avait, via les services sociaux, annoncé à la jeune fille, qui elle aussi avait été placée, que la petite allait être placée à son tour dans l'après-midi. Donc le parquet nous saisit, nous envoie là. La jeune fille, elle annonce du placement de sa petite fille, l'a prise sous le bras et est partie, disant « Moi, j'ai été placée, ma fille ne vivra pas comme ça ». Donc effectivement, dans ce cadre-là, on reçoit un écrit du parquet qui nous saisit de la disparition et de la maman de 16 ans et de la petite fille de 2 mois. Donc c'est au mois de décembre, juste une turbulette et elle était partie comme ça. Pas de téléphone portable, nous n'avons rien pour la localiser de suite. On a mis en place tout ce qu'on vient de vous dire, en fait. C'est-à-dire, dans un premier temps, notre supérieur qui coordonne les opérations. Nous sommes partis à l'hôpital voir effectivement si elle avait pris des choses quand même pour se couvrir, et la petite aussi. Parallèlement, une inscription au niveau du fichier des personnes recherchées. Et on coordonne avec, à l'époque, c'était la brigade cynophile, la gendarmerie, qui nous a rejoints sur place. Au bout du compte, la jeune fille est partie 5-6 heures, est revenue avec la petite parce qu'elle s'est rendue compte en fait qu'elle ne pouvait pas gérer les choses comme ça. Mais je vous assure que les 5-6 heures, en tout cas que moi j'ai vécu via cette situation-là, c'était l'unique que j'ai pu vivre. Oui, on se rend compte qu'il y a l'inquiétude en fait, même pas des proches, puisque c'était pas le cas là, mais en tout cas où tous les fonctionnaires de police se mobilisent par rapport à cela. Donc il y a un fonds d'intervention à gérer quand même en police secours, mais très rapidement on était des gendarmeries ou police municipale pour ratisser au mieux le secteur de l'hôpital et trouver la petite avec la maman. Donc ça a été une fin heureuse, mais c'est vrai qu'on ne savait pas dans quelle intention était partie la jeune fille et on s'en méfiait énormément. Donc voilà. Donc dans l'absolu, c'est toujours des situations très complexes, puisque d'humain à humain, et ensuite ce qui peut être important aussi à signaler, on l'a fait tout à l'heure avec monsieur, c'est que au jour d'aujourd'hui, il y a un fait de société qui est de plus en plus présent lors des fugues ou voire des disparitions de mineurs. Ce sont tout ce qui va avoir, on va dire, un petit peu que ça touche à la radicalisation. Ce sont des choses pour lesquelles maintenant on commence à être formé par des stages pour mettre aussi à l'esprit, à l'enquêteur, lors des disparitions inquiétantes de mineurs, que ça peut être aussi une voie à explorer en tout cas. Ça n'est pas monnaie courante, mais en tout cas maintenant nous sommes sensibilisés ce genre de situation qui peut se poser à nous. Voilà. Vous avez déjà été confronté vous-même ? Il y a quelques temps, au mois de décembre, nous avions été saisis par plusieurs fugues d'une jeune fille de famille, on va dire sans problème entre guillemets, qui du jour au lendemain s'est intéressée. Donc elle était athée, je crois, de mémoire, et du jour au lendemain s'est mise à s'intéresser à la religion musulmane de façon tout à fait ouverte. La maman, pour ne pas la laisser vivre cette expérience seule et la découverte de la religion musulmane, l'a accompagnée dans les mosquées ou s'intéresser à cette religion. Et la petite, sur quelques mois, a commencé à faire donc des fugues sur fugues. Donc au début, pas très longtemps, 2-3 heures. Ensuite, un peu plus longtemps, donc avec des disparitions inquiétantes qui étaient gérées par notre service. Et dans ces cadres d'amis, on se rendait compte de certaines choses et du changement physique de la jeune fille, qui jusqu'alors était quelqu'un de qui ne portait pas, on va dire, la djellaba ou ce genre de choses. Ouais, tout à fait. Et qu'au fil du temps, on la voyait effectivement changer. Les parents étaient complètement désœuvrés et malgré leur investissement, et ont été appuyés par beaucoup de personnes. La jeune fille, on sait au jour d'aujourd'hui qu'elle est réellement radicalisée et qu'elle partira en Syrie, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc on a vu l'évolution d'embrigadement en 6 mois de temps, en fait. C'est bon, vous avez terminé écoutez, parce que le temps imparti est terminé, lui. J'espère que je n'ai pas été trop vite, je suis désolée. Non, c'est bien, on va pouvoir poursuivre après avec... Avec grand plaisir. Je ne voulais pas vous couper la parole, très bien. Merci beaucoup, merci. Merci. Oui, on peut...